Donc on va aujourd'hui s'intéresser aux essais de Montaigne. C'est une œuvre de la Renaissance, une œuvre du XVIe siècle, et en fait qui est assez souvent proposée sur les listes de Bach, et qui peut entrer dans deux objets d'études variés, différents, à savoir l'argumentation, hein, puisque c'est une œuvre assez complexe, assez composite, mais enfin il y a quand même une partie argumentative assez développée. Donc elle est souvent utilisée à titre d'extrait dans cet objet d'étude, l'argumentation. Et puis elle peut rentrer aussi, pour les premières ailes, dans votre objet d'étude spécifique, l'humanisme et la Renaissance, puisque c'est une œuvre de cette époque, et une œuvre qui se fait écho aussi de plein de problèmes culturels et de plein de choses ayant trait justement à cette Renaissance. Donc on va tout de suite voir un extrait de ces essais, un extrait assez connu puisqu'il s'agit de l'extrait qui s'intitule « Des cannibales ». Alors, les essais de Montaigne, c'est une œuvre qui est à la fois une œuvre personnelle puisque Montaigne se propose dans son livre de consigner en fait ses pensées intimes, ses pensées personnelles. Mais c'est aussi une œuvre universelle puisque ses pensées personnelles l'amènent très fréquemment à évoquer des problèmes qui ont une portée plus générale, voire une portée universelle. Alors, dans cet extrait des cannibales, eh bien, c'est un événement en fait de son siècle, la découverte de l'Amérique, qui lui fournit l'opportunité de mener une réflexion à la fois personnelle, puisqu'il raconte une expérience qu'il a vécue lui-même, et une réflexion un petit peu plus générale, puisqu'elle porte sur un problème universel, celui de la différence culturelle et celui de la relativité culturelle, dont l'exemple lui est fourni par l'écart entre le mode de vie européen et le mode de vie de ces indigènes américains, faussement appelés indiens. Alors, on va procéder à la lecture d'une partie de l'extrait. Pour revenir à mon propos, et selon ce qu'on en a rapporté, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans ce peuple, sinon que chacun appelle barbarie ce qui ne fait pas partie de ses usages. Car il est vrai que nous n'avons pas d'autres critères pour la vérité et la raison que les exemples que nous observons et les idées et les usages qui en courent dans le pays où nous vivons. C'est là que se trouve, pensons-nous, la religion parfaite, le gouvernement parfait, l'usage parfait et incomparable pour toute chose. Les gens de ce peuple sont sauvages, de la même façon que nous appelons sauvages les fruits que la nature produit d'elle-même communément, alors qu'en fait, ce sont plutôt ceux que nous avons altérés par nos artifices, que nous avons détournés de leur comportement ordinaire, que nous devrions appeler sauvages. Les premiers recèlent vivantes et vigoureuses les propriétés et les vertus vraies, utiles et naturelles, que nous avons abâtardies dans les autres en les accommodant pour le plaisir de notre goût corrompu. Alors, on va étudier cet extrait selon deux axes de lecture. Tout d'abord, expliquer que c'est une réflexion générale sur l'art d'un côté opposé à la nature de l'autre côté. Et deuxièmement, nous montrerons que le thème du contact avec l'altérité est matière à réflexion. Alors, c'est une réflexion générale, mais une réflexion qui part d'un point de vue personnel, puisque Montaigne utilise la première personne, hein, il assume donc la paternité de son propos, « je trouve », dit-il à la ligne 1, qu'il nuance toutefois par la question des sources. C'est une espèce d'honnêteté intellectuelle ici dont fait preuve Montaigne, puisqu'il parle selon ce qu'on en a rapporté, dit-il à la ligne 1. Néanmoins, cette opinion qu'il s'est forgée de seconde main, eh bien, c'est une opinion tranchée, hein, puisqu'il nous dit qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans ce peuple. Alors, il va, pour argumenter et pour nous démontrer cette thèse qu'il nous donne dès le commencement de l'extrait, eh bien, il va mettre en question le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'il va proposer un certain nombre de choses qui sont des choses relatives. Il nous énumère à la ligne 3 les exemples, les idées, les usages que nous avons, hein, qui sont donc des choses relatives, puisque les autres peuplades ont d'autres exemples, d'autres idées, d'autres usages. Et ces choses relatives, nous, par ethnocentrisme, nous les élevons au rang d'absolu, puisque nous disons un peu plus loin, et là c'est le pronom personnel « nous », hein,
un petit peu plus loin à la ligne 5, c'est là que se trouve, pensons-nous, avec cette énumération et cette répétition du mot parfait, la religion parfaite, le gouvernement parfait, l'usage parfait et incomparable pour toute chose. Il y a donc cette notion d'ethnocentrisme qui est mise en avant. Et par ailleurs, Montaigne va aussi se livrer à un jeu sur le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va renverser la valeur sémantique du mot « sauvage » et qu'il va valoriser ce terme en le rapprochant en fait de la nature, la grande nature, qui est écrite avec un N majuscule à la ligne 16, par opposition à l'art, qui pourrait avoir un sens positif, mais qui, dans le propos de Montaigne, va être dévalorisé et va être rendu synonyme d'artifice. Il dira un petit peu plus loin « abattardi » à la ligne 11. Un renversement donc des valeurs entre l'art d'un côté et la nature de l'autre, à la faveur de la nature. Et la sauvagerie donc que Montaigne accepte pour ses peuplades, eh bien, est en fait une valeur positive. Alors comme souvent dans les essais, Montaigne, pour appuyer sa démonstration et son opinion, a recours à des auteurs de l'Antiquité. On le voit tout d'abord par la citation latine de Properce, et un petit peu plus loin par la référence, par cet argument d'autorité, avec la mention de Platon, qui avait énoncé une opinion qui est la même, qui va dans le sens de celle de Montaigne. Il y a donc une réflexion générale qui est menée sur le concept d'altérité, sur le contact avec cette altérité qui est représentée ici par les Indiens. Ces Indiens, justement, à partir de la ligne 25, eh bien, c'est à eux que Montaigne donne la parole. Il y a les propos des Indiens qui sont répercutés par Montaigne, et en fait la naïveté en quelque sorte implicite des Européens qui leur ont montré notre faste à la ligne 31, ce que c'est qu'une belle ville, alors belle naturellement dans l'idée des Européens. Et le jugement en fait des Indiens, eh bien, contrarie un petit peu cette fierté, cette fierté ethnocentrique, puisque à partir de la ligne 37, eh bien, ils pointent quelque chose, ces Indiens, dans leur discours, qui n'est pas visible des Européens, c'est l'inégalité sociale, qui est pourtant criante, qui est pourtant visible une fois que les Indiens nous l'ont montré, mais justement, cette altérité, ce point de vue de l'étranger adopté, eh bien, est en fait un miroir tendu à nous-mêmes pour regarder, pour nous regarder et pour observer notre société. On a donc un mouvement qui est en fait un premier mouvement qui est en fait un jugement de sauvagerie, un jugement dévalorisant porté à l'encontre de l'autre. Mais une fois qu'on accepte l'autre et qu'on le reconnaît et qu'on lui donne la parole, eh bien cet autre nous tend un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder et dans lequel peut-être nous pouvons ne pas trouver aussi parfait qu'on pouvait le penser en premier lieu. Les observations de Montaigne, c'est pas une thèse que Montaigne nous livre, puisque à chaque fois son propos est un petit peu parasité par des circonstances de l'élocution. En particulier, il parle de cet interprète qui était un petit peu qui ne comprenait pas et qui ne comprenait pas ce que Montaigne voulait lui demander. Et on remarque que c'est une chose qu'on retrouve à de plusieurs reprises dans les essais. C'est à la fois une réflexion personnelle et une réflexion générale. Il y a donc une argumentation en fait teintée de circonstances personnelles. Et donc il raconte, après il donne la parole dans toute la fin du texte à ces Indiens pour s'intéresser un petit peu à eux à partir de la ligne 44. Là, il s'agit des usages personnels, il s'agit de Montaigne qui questionne en fait ces Indiens. Et nous avons un aperçu en fait de leur culture, de leur logique, de leur façon de vivre, de leurs usages, de tout ce qui fait leur relativité à eux par opposition à la nôtre.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fin qu'il y a une ligne qui est détachée, la ligne 54, et qui apparaît à la fin, et qui dit « tout cela n'est pas si mal, mais quoi, il ne porte pas de pantalon ». On a un retour brutal, en fait, au point de vue européen tel qu'il était formulé au départ, c'est-à-dire ce jugement négatif, ce jugement sans appel, ce jugement qui prend, en fait, qui prend comme argument quelque chose de relatif, c'est-à-dire la mode, la façon de s'habiller, et qui en fait quelque chose qui aurait une valeur générale. C'est donc une façon ironique, en fait, de dévaloriser notre propre point de vue, le premier mouvement du jugement que Montaigne a essayé de montrer ici. Alors pour conclure, on peut dire que Montaigne est partie prenante de son siècle et qu'il est un observateur curieux de son siècle et de tout ce que son siècle lui fournit comme matière à réflexion. Ici, c'était la relativité culturelle. Les essais sont une œuvre qui est toujours lue de nos jours parce qu'au-delà des circonstances précises, eh bien, il y a ces réflexions qui ont un caractère plus général, qui ont une valeur plus générale. Et dans notre société actuelle, eh bien, la relativité culturelle, la distance culturelle, la compréhension de cultures différentes, eh bien, sont des choses auxquelles nous avons affaire tous les jours et que nous avons même instituées comme une science, puisque depuis l'époque de Montaigne, et peut-être grâce à des gens comme Montaigne, eh bien, il y a ces sciences humaines qui s'appellent l'anthropologie et l'ethnologie et qui se consacrent d'une manière scientifique, alors que ce n'était pas le cas de Montaigne, à l'étude justement de la différence culturelle et de l'altérité. Voilà donc pour ce premier extrait des essais de Montaigne. Je vous renvoie au site du blog si vous voulez vous procurer le texte et surtout la traduction en français moderne, ici, que vous pourrez télécharger. Et vont suivre un certain nombre d'autres lectures analytiques de ces mêmes essais. On va en faire au total 5 au moins. Comme ça, vous pourrez avoir, y compris si vous êtes candidat libre, eh bien, pour présenter une liste de bac, un corpus assez consistant et assez unifié. Voilà, j'espère que tout ça vous aura servi, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous pouvez me faire part de vos commentaires et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager si vous avez apprécié. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.